Alexia Laroche-Joubert était l'invité du portrait de 50 minutes Inside ce samedi 1er octobre sur TF1. L'ex-productrice et directrice historique de la Star Academy, qui revient le samedi 15 octobre sur TF1, est revenue notamment sur ses souvenirs les plus marquants au sein de l'émission. Elle a également évoqué son enfance, sa mère Martine Laroche-Joubert, journaliste et grand reporter, et sa vie de famille. Interviewée par Nico Saliagas, qu'elle connaît bien, Alexia Laroche-Joubert s'est exprimée comme rarement sur ses deux filles, Solveig Blanc, 20 ans, fruit de sa relation avec l'ancien PDG de Warner Music France, Philippe Blanc, mort le 9 juillet 2003 des suites d'un accident de moto à Paris, et Isor Moultrier, 14 ans, né de sa relation avec l'homme d'affaires Guillaume Moultrier. Très prise par ses activités de productrice et d'animatrice télé, la présidente de la société Miss France a reconnu ne pas avoir été très présente pour ses filles. Solveig, la plus grande, a eu une maman qui n'a pas arrêté de travailler. Je pense que je suis passé un petit peu à côté d'elle quand elle était petite. On en a beaucoup parlé. Je suis désolé pour elle parce qu'elle a dû tenir le choc de la perte de son père. Elle a dû avoir une maman qui travaillait énormément. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je prenne tout en charge. Et donc elle s'est battue courageusement. Je ne suis jamais rentré avant 21h à la maison. La productrice de 52 ans a également avoué que la crise sanitaire l'a rapprochée de ses deux filles. J'ai rencontré mes enfants pendant le Covid, a-t-elle avoué. Je n'avais jamais dîné avec eux. Je ne suis jamais rentré avant 21h à la maison. Je me rappelle qu'un jour, la petite, Isor, m'a dit, t'es pas assez là. Et je lui ai dit, écoute, ça, si est-il le point sur lequel tu ne peux pas intervenir. Je fais au mieux, mais tu ne peux pas me dire que je ne suis pas assez là. Si est-il quelque chose que je n'aille pas les moyens d'entendre. Toutefois, Alexia Laroche-Joubert est une mère proche de ses filles. Elle n'hésite d'ailleurs pas à poster des photos d'elle sur Instagram, « Je suis une maman qui s'améliore », a-t-elle déclaré.